petite structure. D'accord. C'est du bricolé, c'est du fait main, quoi, du bricolé maison. Même si on commence à avoir des méthodes, ça reste quand même une petite entreprise. Mais bon, je pense que en ce moment, c'est plutôt une chance d'être petit, parce que je pense qu'il y avait des structures qui étaient beaucoup plus grosses que la nôtre avec la crise. En fin de compte, ils n'ont pas pu se retourner. Et nous, en fin de compte, le fait d'être petit, on est super malléable. On peut se permettre d'avoir des périodes sans rien, ne rien faire et réfléchir. C'est ce que je me suis rendu compte là en 2009 quand on a un peu cessé nos activités. Et du coup, bah nous, on peut tout le temps rebondir en fonction de ce qui se passe. D'accord, vous êtes plus flexible, quoi. Ouais, d'accord. C'est pas mal, en fin de compte. Alors du coup, bah, ça demande beaucoup d'énergie, parce qu'on peut aussi bien se retrouver à faire du graphisme, que de la direction artistique, que de la com, que fabriquer des disques, etc. Mais du coup aussi, non seulement c'est super intéressant, et ça évite de s'ennuyer, parce qu'on est à plein de postes différents. Et oui, et en effet, ça permet d'éviter que la structure s'arrête du jour au lendemain. D'accord. Tout en restant ouvert si vous avez besoin de quelqu'un, en fait. Voilà. Mais après, oui, que les bonnes âmes se présentent.